إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. طيب toujours dans la qadar ou al qada, la prédestinée. Et donc, d'aïman, qu'adim d'aw, inshallah, bi'idhnillah, fahad sana hadi, ba'd al-outla, après les vacances, on va commencer, inshallah, cette année, bi'idhnillah. Mais on est toujours dans le dogme, l'aqidah, dans la série, donc, de l'aqidah. Et dans la série de l'aqidah, pour ceux-là qui nous suivent le sait bien, on est arrivé à la prédestinée, c'est-à-dire al-qada ou al-qadar, ou al-qadar ou al-qada. Alors, le dernier dars, on a parlé donc de la question concernant le Moussa alayhi salatu wassalam avec Adam. Et après, on a parlé aussi donc les bénéfiques donc de croire et de comprendre le qadar, les bénéfiques de le qadar quand la personne connaît le qadar. Et ça, aujourd'hui, parce que comme on l'a toujours dit, pour avoir une facilité pour sa vie, vivre normal, tranquille, qui est obligé de comprendre le qadar ou le qadar. Les personnes que vous voyez dans la vie, que ce soit dans vos familles, que ce soit n'importe où, qui vous voyez, ils ont des problèmes, et ces problèmes, ça les dérange beaucoup dans leur vie, dans leur travail, dans leur relation entre la femme et son mari, etc., c'est parce qu'ils n'ont pas compris le sens de l'qadar. Une fois que tu comprends l'qadar, il n'y a pas ce genre donc de dire les malheurs, les maladies, etc., qui peuvent influencer ta vie, rien du tout, de tout ça. D'ailleurs, Inch'Allah, on va faire après un dars bi'idhnillah concernant le qadar, un dars comme ça, donc on fait les 110, Inch'Allah, bi'idhnillah. Alors, le dernier dars qu'on avait parlé, on avait dit, quand il t'arrive un malheur, quand il arrive un malheur, il y a les degrés des gens qui ont compris le qadar. Alors, quand il arrive un malheur, il faut l'accepter. Et quand on parle ici, donc, de le masaïb, on ne parle pas de le ma'aïb. C'est-à-dire que tu commets un péché et tu dis je l'accepte. Non. On parle quand il arrive un malheur. Là, il faut l'accepter. Et avoir de l'endurance et de la patience. Et ne pas trop s'en faire pour ce malheur qui vient d'arriver. Mais on avait dit, il y a un autre degré, plus que ça. C'est lequel? Je ne sais pas si vous vous rappelez encore. Le remerciement est chaud. Il t'arrive un malheur et tu le remercies. Pourquoi tu le remercies? Parce que tu es content. C'est quoi alors? Bah, remercier Allah Azzawajal, c'est quand on nous donne quelque chose d'un bien. C'est-à-dire, on le remercie. Le remercier, le chocre, c'est toujours quand Allah te donne un bien. Ok? Mais donc, si tu as dit quelque chose qui est proche, on avait dit de aimer. Aimer ce malheur. Mais Allah Azzawajal ne nous a pas obligés de aimer les malheurs. Pourquoi? Parce que c'est difficile à supporter. On n'a pas la capacité dans la majorité des humains. Il y en a, c'est pas qu'il n'y en a pas, il y en a. Des gens qui sont arrivés à une foi vraiment, hein, comme l'Anbiya et la Rédia, le Kerosol et tout ça, eux ils arrivent ça. Mais essayer, c'est-à-dire qu'il t'arrive un accident, il t'arrive une maladie, tu perds ton argent, on t'a volé ton argent, quelqu'un t'a fait de mal, etc., etc., etc. T'as quelqu'un qui est mort dans ta famille. Ce qu'on demande, et ça c'est demander, hein,
C'est donc de sobre, d'endurer. Mais si tu passes à quelque chose donc de mieux, de recommandé, ça c'est obligé. Sobre, c'est obligé. Si tu ne fais pas sobre, tu commets un péché. Si tu commences à crier, etc., parce que tu arrivais à un malheur et tu n'avais pas l'endurance pour ça, tu commets un péché. C'est-à-dire que tu es obligé. D'ailleurs, c'est pourquoi l'islam nous a donné cette formule Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Pourquoi on le dit ça? On ne le dit pas, c'est qu'un jeu de musique, c'est pas quelque chose qu'on le dit comme ça pour. Non. Le malheur, c'est-à-dire que tu as perdu quelque chose. Et là, tu dis Inna lillahi. Qu'est-ce que ça veut dire Inna lillahi? Ce que je viens de perdre appartient à Allah. C'est lui qui me l'a donné, c'est lui qui l'a pris. Inna lillahi. Tout ça appartient à Allah Azza wa Jal. Maintenant, c'est moi, je te prête la voiture pour faire des courses. Et après, je viens, je te dis, t'as fini? Là, j'ai fini. Tu peux me donner la voiture? Tu vas être triste? Non, tu vas être content, je t'ai dit, mais on l'a repris, c'est le sien. C'est le sien. Je ne vais pas être triste parce qu'il m'a pris sa voiture. Ou je vais me fâcher. Non. Alors, tu dis, inna lillahi, tout appartient à Allah Azza wa Jal. Alors, une fois que tu perds quelque chose, un bien de ce bas monde, il faut bien comprendre, tu dis, inna lillahi. Tout ça appartient. Wa inna ilayhi raji'un. Tous, on va retourner là, il n'y aura plus rien dans ce bas monde et on ne prendrait rien de ce bas monde, à part nos actions. C'est quelque chose, rien. Pas d'argent, pas de famille, pas de maison, pas de voiture, rien. Alors, quand on dit que celui-là, c'est obligé, mais il met le malheur qui vient d'arriver. Ça, c'est difficile. C'est pas rare, c'est carrément, on peut dire, c'est niant. Donc, quelqu'un qui t'a perdu 12 000 euros, t'as ramassé 12 000 euros pour construire une maison, tu prends l'argent et tu perds les 12 et les 13 000 euros. Endurer, c'est obligé. Mais y met, parce que tu viens d'avoir perdu. Parce que recevoir un cadeau de 12 000, tiens. Mais tu le perds, tu dois aussi y met. Tu dois aussi y met. C'est pour ça. Pourquoi? On dit que tout ce qui se passe dans le monde, c'est par la volonté de Allah Azza wa Jal. Toi, tu as reçu par exemple 10 000 euros comme cadeau, hein? Tu es content, c'est bien. Mais tu viens juste de perdre ces 10 000 euros. Toi, tu voulais bien que tu ne les perds pas. C'est tout à fait normal. Mais tu les as perdus. Et tu n'as pas fait quelque chose pour les perdre. Ça peut arriver, même on t'en l'a volé. Et que tu as fait toutes tes précautions pour que tu les perdes pas. Malgré ça, tu les as perdus. Ton vouloir d'aimer, de garder cet argent, de bénéficier de cet argent, de faire quelque chose avec cet argent, c'est normal que tu aimes. Mais Allah Azza wa Jal ne les a pas laissés. Il les a repris. Et ça, c'est le choix de Allah Azza wa Jal. C'est le vouloir de Allah Azza wa Jal. Et alors là, on a deux vouloirs. Toi, qui aimes avoir cet argent, mais qu'Allah Azza wa Jal a décidé que tu n'auras pas cet argent. Alors, ce qu'il a décidé Allah Azza wa Jal, il est mieux pour toi. Car toi, tu ne le sais pas. Qu'est-ce qui peut t'arriver avec ces 10 000 euros? Ou la chose, la voiture que tu voulais acheter, ou les choses que tu veux faire. Tu crois que c'est un bien. Effectivement, dans l'apparence, c'est un bien. C'est pour ça, Inch'Allah, il va venir en dars concernant ce genre donc, de qadar. Mais Allah, Azza wa Jal, il sait que cet argent n'est pas bénéfique pour toi. Cette chose-là n'est pas bénéfique pour toi. Alors, tu dois aimer ce qui vient d'arriver. Alors imagine qu'on vit avec ce dogme, hein, qu'on le met en pratique. On vit avec ce dogme et on a le malheur et on a le premier degré, c'est quoi? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. T'as coupé tout, tu continues ta vie, etc. Mais l'autre degré, d'aimer ce qui vient t'arriver comme malheur. Comment ça va être les gens? Comment ça va être la société?
Comment tu seras chez toi à la maison, avec tes enfants, avec ton épouse, avec tes frères, etc., etc., en employant ce dogme de l'qadar, qu'il vient arriver un malheur et que tu aimes ce malheur. Dans la conception que ce malheur, c'est le choix de Allah pour toi. T'as compris? Et c'est pour ça, je dis que les gens qui n'ont pas compris le dogme de l'qadar, ils auront difficile à s'en sortir de ce bas monde. Mais il y en a qui le connaissent, mais ils ont aussi difficile à le mettre en pratique. Et alors, on a deux choix, deux choses. Premièrement, qui est obligé, ça vient de toi. C'est quoi? D'aller apprendre ce dogme. D'aller apprendre cette science de l'qadar et de l'qadar, tu es obligé. D'ailleurs, quand tu dis arkanul islam, c'est des piliers quand même ceux-là. Tu es obligé de les connaître, ces piliers de l'islam. Hein? De comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. De comprendre, d'apprendre la prière, le zakat, le siyam, le hajj. La même chose quand tu dis arkanul iman, les piliers de la foi. Ce sont 10 piliers qui te construisent sur ces piliers, la foi. Ces piliers qui construisent ta foi. Alors tu es obligé de les connaître et de les comprendre et de les maîtriser dans la connaissance, oui, tu es obligé. Mais il te reste maintenant de les mettre en pratique. Alors il faut demander à Allah Azzawajal qui t'aide pour les mettre en exécution. Alors, le premier pas, c'est d'aller acquérir cette science. Alors maintenant, si vous rentrez chez vous à la maison et vous prenez votre famille, posez-les la question, qu'est-ce qu'ils connaissent sur le qadar? Zéro. Zéro, zéro. Même s'ils croient que tu penses qu'ils le savent, d'ailleurs, tu le connais dans leurs termes. Comment ils parlent quand ils arrivent à malheur. Écoute comment ils parlent. Dès que tu entends comment ils parlent dans les malheurs, tu comprendrais qu'ils n'ont rien compris à l'qadar et qu'ils ne cherchent même pas à comprendre. Et là, c'est un péché. Alors, essayez quand même donc de propager cette science, cette connaissance de l'qadar. Pas approfondir comme on a fait nos autres ici. Hein, tu as vu combien de séries qu'on a fait dans l'qadar. Non, quelque chose de concret, des points, des bases. Donc comme ça de dire maintenant il t'arrive un malheur, est-ce que c'est inscrit ou pas inscrit? C'est déjà inscrit. Alors Allah a voulu que ça se passe. Et alors pourquoi maintenant tu es en train de là, t'arrives pas à dormir, t'arrives pas à manger? Qu'est-ce que tu veux? Changer ce qu'Allah a voulu, c'est pas possible. Alors une fois que tu ne sais pas le changer, khalas, tu te mets à ce qadar, à cette prédestinée, ce qu'Allah azawajal a voulu, sans passer au stade plus haut. De comprendre ce qui vient d'arriver, c'est un bien pour toi, que ce soit des maladies, que ce soit un cancer, que ce soit de la sorcellerie, que ce soit que tu as perdu l'argent, que tu as perdu un enfant, que t'as, etc., etc. Tu as vu avec le DAS qu'on a fait la dernière fois, Alhamdulillah, mon fils est mort. Je remercie Allah, lui ange Allah, mon fils il est mort. Alhamdulillah, mata ibni. Quand tu entends cette phrase-là, tu vas dire celui-là, il avait un fils maschout. Hein, qu'il le frappait, qu'il... Mais non. Alhamdulillah. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jalla, il m'a donné cet enfant-là, et maintenant il l'a repris. C'est un bien pour moi. Si Allah l'a repris, cet enfant-là, c'est un bien pour moi. Impossible. Vous avez compris ça? Essayez toujours en parler, en discuter avec, entre vous. Hein, discuter avec des gens qui arrivent à la famille, discute de ça. Comme ça, dans la discussion... Ça va encore bouger beaucoup des choses dans votre tête et vous pouvez venir après et alors poser des questions ou alors celle-ci je ne l'ai pas compris, comment ça peut se passer comme ça, etc., etc. Pas simplement j'écoutais le tard si je rentre chez moi à la maison et à la semaine prochaine. Non, il faut le mettre en exécution dans ta pratique. Maintenant, tu arrives à malheur, tu arrives dans la rue, tu arrives à malheur, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, et après réfléchir. Pourquoi il m'arrive à malheur? C'est Allah qui l'a voulu, khalas. Je vais essayer de remédier, je vais essayer de faire des doigts à qu'Allah Azzawajal m'enlève ce malheur, hein, parce que c'était une épreuve, etc. Et après, j'attends qu'Allah Azzawajal
fais donc de ce que Allah Azza wa Jal voit le bien pour moi. Alors, ce chapitre, on le ferme, pas complètement, dans ce point qu'on avait passé, il met ce qu'il t'arrive comme malheur. Et si tu n'arrives pas à l'aimer, alors endure-toi et patience, et ne dis pas des phrases inutiles. Alors, on passe ici à l'insan. C'est le premier dars dans ce début de cette année. الإنسان بين التسيير والتخيير. Alors, je ne sais pas comment on va traduire ça en français. Ça, on le dit tout le temps. Ou surtout certaines personnes. Tout le monde le dit. Hein. Mais le plus qu'ils le disent, c'est les gens qui ont un peu. C'est des gens qui se croient qu'ils ont pas l'aql, qui sont plus avancés dans la connaissance, dans la science, etc. Ils posent cette question-là. Est-ce que nous autres, on a le libre choix de nos actions ou on est commandé? Cette question, les gens le posent. Hein? Et certains des gens le posent pour eux-mêmes, pour comprendre. Et t'as des gens qui le posent pour te mettre en difficulté, comme te considère comme tu es musulman. Même à cela, parfois, ils te posent cette question. Les gens qui font des péchés, ils posent cette question. Est-ce que nous, humains, est-ce qu'on a le libre choix de nos actions, de faire ce qu'on veut, et que personne ne commande et que personne ne dirige? Ou alors non, toutes nos actions, ce qu'on fait sur ce bas monde, ils sont commandés. Alors c'est quoi pour vous? Moussaïr ou la Moukhaïr? C'est ni l'un ni l'autre. Ni c'est, l'un? C'est les deux. Les deux. Voilà. Ça c'est déjà magnifique. Ça c'est déjà magnifique. C'est les deux. Ni l'un ni l'autre. Ce qu'il dit qu'il a le choix libre de faire ce qu'il veut, comme le Qadariya disent, le secte Qadariya, il dit non, c'est tes actions. Allah n'a rien à voir. Tu as commis le péché, c'est ton affaire. Hein? Et alors, l'autre qu'il dit non. On n'a pas le choix de faire ce qu'on veut. Toutes nos actions ici, dans ce bas monde, c'est Allah Azza wa Jal qui les fait. Comme Al-Murji'a. Alors, deux groupes musulmans, Al-Murji'a, qui disent Ashhadu an la ilaha illa wa ashhadu anna Muhammadan rasoulullah. Eux, le Murji'a, tout ce qui arrive sur ce bas monde, l'homme n'a rien à voir dedans. C'est Allah qui l'a voulu, un point c'est tout. Ça, c'est une demi-vérité. Pas une vérité, mais c'est une demi-vérité. Al-Qadariya, c'est le contraire. Dans l'autre sens. Al-Qadariya, tout ce qui est mauvais, comme péché, malheur, c'est nous. C'est toi qui as choisi, c'est toi qui l'as fait. Allah n'a rien à voir avec ce que tu as fait comme malheur, ce qui se passe comme guerre, etc. C'est toi. C'est une moitié de vérité. C'est une moitié de vérité, pas une vérité. Alors c'est ce qu'on va voir, et c'est Inch'Allah, bi'idhnillah. Al-insan bayna at-tasyir wa at-takhyir. Yaridu kathiran fi kutub al-falsafa. Dans le livre de la philosophie, beaucoup on entend ce genre. D'ailleurs, les philosophes, les premières recherches quand ils veulent rechercher Allah ou rechercher comment commencer le monde, ils posent cette question. Est-ce que je suis dépendant de moi, dépendant de quelqu'un, ou je suis indépendant? Wa ilmul kalam, les gens qui disent qu'ils emploient la raison pour arriver à la vérité, etc., comme le Mu'tazila. وفي كتابات بعض المتأخرين هل الإنسان مسير أو مخير وهناك من يجيب على هذا السؤال بأن الإنسان مسير لا مخير يعني كيديز لم مسير لا مخير ستدير إلى بالشوى الفي سوك الله عز وجل سوك الله عز وجل إلى أسكر مسير
le guide. Il est guidé. كما أن هناك من يجيب بأنه مخير لا مسير. Il y a une autre partie qui dit le contraire. Non, il a le choix de faire ce qu'il veut, de choisir ce qu'il veut. والحقيقة أن الإجابة عن هذا السؤال بهذا الإطلاق خطأ. Donc répondre à cette question de cette manière, c'est une erreur. ذلك أن الإجابة تحتاج إلى بعض التفصيل. Car la réponse a besoin donc d'un peu donc d'explication et détaillée. ووجه الخطأ في الإجابة بأن الإنسان مسير لا مخير تكمن فيما يرد على هذه الإجابة من إشكال. Si on dit que l'homme il est guidé, il est commandé, hein, qu'il n'a pas le choix, et on a un problème. Parce qu'à ce moment-là, on dit Moussayyar bil itlaq. Il est guidé en général, dans tout, sans exception. Si on dit ça, qu'il est guidé dans tout, قيل كيف يحاسب وهو مسير. Alors si on dit que toutes ces actions qu'il fait, les bien et les mauvais, c'est la volonté de Allah Azza wa Jal, s'il est guidé, il n'a pas le choix. Mais alors, pourquoi Allah Azza wa Jal va le juger? Car il y a un jugement. Et toi, comme musulman, tu sais qu'il y a le paradis, il y a l'enfer. Alors pourquoi l'enfer? Pourquoi l'enfer? On dit Al-Murji'a. Si vous dites tout est par Allah Azza wa Jal, c'est Allah Azza wa Jal qui a voulu qu'il soit le coffre, etc., 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 que l'autre n'a pas le choix d'être mu'min. Si Allah il a voulu qu'il soit kafir, il soit kafir, il n'a pas le choix. Même s'il veut être mu'min, Allah Azza wa Jal il a inscrit qu'il est kafir, il meurt kafir. Mais alors pourquoi le juger? Puisque c'est Allah Azza wa Jal qui l'a fait comme ça. À ce moment-là, Allah il devient injuste. Injuste. Il a inscrit dans le livre qu'on croit qu'il va être kafir. Effectivement, il est kafir et après il le met dans l'enfer. C'est injuste. Il n'avait pas le choix, lui, alors. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors là, on voit bien qu'on a un problème. C'est le Murji'a, ils disent que la personne, elle est guidée, recommandée, ou commandée, qu'il n'a pas le choix dans ses actions. C'est-à-dire qu'il n'a pas le choix d'être mu'min ou kafir. C'est Allah qui le décide. Kafir ou mu'min. C'est une vérité, c'est une moitié de vérité. Car c'est déjà inscrit avant qu'il vienne au monde que cette personne meurt kafir. Et Allah a voulu qu'il meure kafir. Alors le Murji'a, alors, est-ce que Allah Azza wa Jal inscrit que celui-là, il va être kafir? Oui. Il n'y a aucun doute. Il est déjà inscrit dans le livre que celui-là, telle personne meurt kafir. Il est déjà inscrit. Deuxième question. Est-ce qu'Allah Azza wa Jal a voulu que ce kafir soit? Si. N'oublie pas. Attention. Là que tu commets l'erreur. Quand on dit vouloir, pas aimer. Elle aime. Non. On appelle le vouloir al-kawni, l'irad al-kawniya. Si Allah il n'aura pas voulu, est-ce que ça va se passer? Il peut avoir un kafir? Non. Si Allah ne veut pas qu'il n'y ait pas de kafir, ben, il n'y aura pas de kafir. Mais alors, s'il y a le kafir, c'est le vouloir de Allah Azza wa Jal. Oui. Alors, Allah il a inscrit que cette personne, il sera kafir, il mourra kafir. Déjà inscrit. Est-ce qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui qui a voulu ça? Oui. C'est Allah Azza wa Jal a voulu comme ça. Il n'y a rien qui se passerait dans l'univers sans son vouloir. Et le Murji'a te dit, ben voilà, c'est ce qu'on dit. Allah l'a voulu,
Si Allah Azzawajal l'a inscrit, on dit au Murja, bon, ça va. Allah a voulu qu'il soit mécréant, Allah il a voulu qu'il meure mécréant, Allah a voulu qu'il va comme ça. Pourquoi Allah Azzawajal va le mettre à l'enfer? Alors c'est injuste. C'est injuste à ce moment-là. Et là, on revient aux doros qui sont passés. Alors ici, on va voir après, parce qu'on va revenir tout le temps. Alors, dans le dogme qu'on a ici, le murji'a, ils disent, « Al-insanu musayyar ». Les murji'a, ils disent que la personne, elle est guidée, il n'a pas le choix. Comme ils disent là. La question qu'on leur pose, « Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ». La question est qui est posée, si vous dites, ô vous les morgéés, que c'est Allah Azzawajal qui fait ce qu'il veut dans l'univers, que la personne n'a pas le choix dans ses actions, pourquoi Allah Azzawajal va le punir? Si vous dites qui va le punir, vous savez bien qui va le punir, ben alors Allah Azzawajal est injuste. Et Allah il nous dit qu'il n'est pas injuste. Et qu'il a créé le paradis et l'enfer. Pour ceux-là qui font les bonnes actions, le paradis. Ceux-là qui ont les mauvaises actions, c'est l'enfer. Et en plus, Allah Azzawajal, il dit, le jour du jugement, il y a une balance. Pesez les actions, les mauvaises et les... Pourquoi le peser? Parce que ça appartient à Allah Azzawajal, que lui, il n'a rien à voir dans ses actions. Ok, on dit au Murji'i, vous êtes en... à côté de la plaque. Vous êtes en erreur là-dedans. Maintenant, on va chez les Qadariya. Qadariya, il dit au Murji'i, oui, vous avez été en tort là. Comment Allah Azzawajal va le juger? Et alors, qu'est-ce que vous dites, vous, les Qadariya? Ah, il dit, nous autres, on dit que les péchés, hein, tout ce qui se passe comme malheur, mauvais, etc., péché, tout ça, c'est appartient à la personne, Mukhayyar, c'est lui qui le fait. Allah Azzawajal n'a rien à voir là-dedans. C'est-à-dire l'action qui t'a fait pour tuer une personne ou voler une personne, c'est ton choix, c'est ton affaire. Allah Azzawajal n'a rien à voir là-dedans. Et Allah Azzawajal va te juger pour ton choix. Mais alors, ça se peut à ce moment-là, on dit au Qadariya, il y a un problème. Si c'est lui-là, la personne, c'est lui qui a choisi l'action, donc, de être mécréant, c'est lui qui a fait le choix de boire de l'alcool, c'est lui qui a fait le choix, donc, de tuer les personnes injustes, c'est lui qui a fait le choix. Vous dites oui, on dit oui. Les Qadariya, tu dis oui. C'est son choix. C'est ses actions. Allah n'a rien à voir là-dedans. Mais alors, il y a quelque chose qui se passe dans l'univers sans le vouloir d'Allah. On a un problème. Cette mécréance qui existe, ce mal qui existe, ça se passe dans l'univers sans le vouloir d'Allah. Allah Azzawajal ne veut pas ça. On ne veut pas qu'on mécrie, on ne veut pas qu'on vole, on ne veut pas qu'on tue, on ne veut pas... Mais c'est passé quand même. Ah ben alors, on dit Al-Qadariya, c'est son vouloir, mais pas le vouloir d'Allah Azzawajal. Est-ce qu'à ce moment-là, qu'Allah Azzawajal ne pouvait pas le guider, l'arrêter de faire le mal? Est-ce qu'Allah il pouvait ou il ne pouvait pas? Allah il pouvait l'arrêter. Est-ce qu'Allah il pouvait pas que cette personne qui a voulu qu'il soit mécréant ne pouvait pas Allah Azzawajal le rendre incroyant? Est-ce qu'il ne pouvait pas là, le faire? Il pouvait le faire. Cette personne qui voulait faire un péché, il est parti faire un péché. Est-ce qu'Allah Azzawajal le voyait pas? Il le voit. Est-ce qu'Allah Azzawajal était incapable de l'arrêter? Allah Azzawajal, il était capable. Mais alors, c'était passé avec quoi? Ce malheur, ce mal qui s'est passé sur ce bas monde, avec le vouloir de Allah. Puisque vous dites qu'il pouvait l'arrêter.
Si vous dites qu'il pouvait l'arrêter, alors cette personne-là qui a fait le choix de commettre un péché, il n'y a pas simplement son choix, son vouloir. Vous savez bien, vous dites qu'Allah, il avait la capacité, il avait, il pouvait l'arrêter, mais il ne l'a pas arrêté. Mais alors Allah, Azza wa Jal, il a aussi son vouloir dans cette action-là. Vous comprenez? Alors on dit Al-Qadariya, vous avez commis une erreur. En disant qu'il peut se passer dans l'univers quelque chose, une action, sans qu'Allah Azza wa Jal a agréé, enfin, a laissé que cette chose-là se passe. Et nous autres, on dit que c'est impossible. Il n'y a rien qui peut se passer dans l'univers sans l'accord d'Allah Azza wa Jal. On ne peut pas dire qu'il y a une partie dans l'univers qu'Allah Azza wa Jal n'a pas le pouvoir. On ne peut pas dire que ceux-là qui sont devenus des mécréants dans l'univers, qu'Allah n'avait pas le pouvoir et la capacité ou le qudra ou l'adama de les rendre des anges. Pas que simplement des personnes. Non, les rendre carrément des anges. Que leur langue dit simplement Subhanallah, Subhanallah, elles sont endormies comme les autres. Est-ce qu'Allah Azza wa Jal, il ne pouvait pas? Il pouvait. Allah Azza wa Jal le dit dans le Coran. Si Allah il aurait voulu, tout le monde sera mu'min. Si Allah il veut maintenant que tout ce qui vit maintenant sur cette il sera demain des mu'minines, ils disent Ashhadu an la ilaha illallah. Est-ce que Allah Azza wa Jal peut le faire ou non? Oui. Ben alors la mécréance qui se passe dans l'univers, c'est par la confirmation et le vouloir de Allah Azza wa Jal. C'est ton choix, d'accord, mais n'oublie pas le vouloir de Allah Azza wa Jal et le choix de Allah Azza wa Jal. D'ailleurs, ce choix que tu as en Dhul Qadariya, ce choix que la personne a de choisir l'iman ou le kufr, de choisir, obéir ou désobéir. Qui t'a donné ce choix-là? Qui l'a fait en toi que tu peux choisir? Ce papier, il peut choisir? Il ne peut pas choisir, il ne choisit rien du tout. Mais toi, que humain, il t'a donné une conception, une construction, que il t'a donné une raison de choisir, de faire ou pas faire. Qui t'a donné ce choix? Qui t'a donné ce vouloir? C'est Allah. Allah a voulu que tu aies un vouloir. Est-ce qu'Allah il peut t'enlever ce vouloir? Il peut te l'enlever, tu n'auras plus de choix. Tu seras mu'min ou kafir comme il veut. Mais là, il t'a donné le choix. Alors on dit, le Qadariya, vous avez commis l'erreur. Le Murji'a, ils ont commis une erreur de dire tout appartient à Allah Azza wa Jal, que l'homme, il n'a rien à voir dans l'histoire mesquine. Lui, il est guidé simplement. Il fait ce qu'Allah a voulu qu'il fasse. Ben alors pourquoi il le juge? Pourquoi il le met à l'enfer? Et alors les Qadariya qu'ils disent non, non, non. Tout ce qui a comme péché, c'est la personne lui-même, c'est lui qui fait le choix, Allah Azza wa Jal, etc. n'a rien à voir dans le monde. Ben alors il se passe quelque chose dans l'univers sans qu'Allah Azza wa Jal peut l'arrêter. Et ça, ça ne va pas non plus. قيل كيف يحاسب وهو مسير وكيف يكون مسيرا ونحن نرى ان له مشيئه وقدره واختيار ديال المرجع كما وديت كنو لا بيرسون نا با لو شوا il est guidé et nous autres on voit tout le temps dans notre vie dans notre âge des gens font des choix il fait le choix il choisit lui-même maintenant vous avez fait le choix de venir ici. Il y a des autres qui ont fait le choix de ne pas venir. C'est ton choix. وما العمل بالنصوص التي تثبت له المشيئة والقدرة والاختيار. Dit Al-Murji'a, on a plein dans le Coran, dans la Sunna, qu'Allah Azza wa Jal il dit que cette personne il a un choix. Il peut choisir. Et vous, vous le dites, le Murji'a, il n'a pas le choix. Allah, il dit, oh, l'humain a un choix. Il a la capacité de choisir. Et vous, vous dites non. Vous contrariez Allah, Azza wa Jal. Amma idha ujiba bi annahu mukhayyar la musayyar.
Maintenant, les autres aussi, comme le Qadariya, ils disent non. Mukhayyar, c'est lui qui choisit. فيقال كيف يكون مخيرا ونحن نرى انه قد ولد بغير اختياره. ديال القادريه سي فو ديت نو الى ليبر شوا دو فير سكو يل فو اي نو زوتر اون فوا كي لا با تو لو شوا كار ايل ني ايل اي فيني سور سو دو موند سان سان شوا سي كي لا شوازي كيلكان بارمي نو شوازي ديتر سي كون ريان بيرسون. Et alors, qu'est-ce qu'il nous a fait ramener ici? Alors, c'est lui. Alors, j'avais pas le choix. Est-ce que quelqu'un parmi nous, il avait le choix de naître un homme ou une femme? On n'avait même pas le choix de porter notre nom. Sans demander si c'était un homme ou une femme, ou venir sur ce bon monde. Même le nom qu'il t'a. Tu t'appelles Mohamed Ali, etc. Et tu avais le choix? Non, tu n'avais pas le choix. Tu n'avais pas le choix. Sauf les synonymes que tu vas faire toi par après. Mais ce qui est inscrit dans le dossier, qui est marqué chez le truc, c'est celui-là, tu n'as pas le choix. Il reçoit une maladie. Il est malade avec quoi? Avec son choix, c'est lui qui l'a choisi d'avoir un cancer. Mais non. Ce n'est pas lui. C'est des maladies qui sont inscrites, c'est Allah Azzawajal qui a voulu, c'est pas toi. Il meurt sans son choix. Il va me dire, mais il y en a qui choisissent pour mourir. C'est faux. Il y en a beaucoup qui ont décidé de se suicider, à la fin ils ne sont pas morts. Et pourtant ils voulaient mourir. Il se sautait de 15e étage, il est arrivé par terre, mais il est encore vivant. Et lui, il a voulu mourir. Il a غير ذلك من الأمور الخارجة عن إرادته. On dit le Qadari, il y a beaucoup de choses qu'on voit dans la vie que les gens ils n'ont pas le choix. Au point de vue de venir à ce bas monde, de devenir qu'il soit homme ou femme, certaines maladies, il n'a pas le choix, etc., etc. Alors il est moussaïr. Il est guidé. C'est Allah Azza wa Jal qui l'a voulu qu'il vienne à ce bas monde. Et toi, tu n'avais aucun choix. D'ailleurs, certaines personnes lui disent pourquoi Allah Azza wa Jal m'a fait venir à ce bas monde après mes juges. Moi, je n'aurais pas voulu venir à ce bas monde. Ah ben voilà, là, tu n'as pas le choix. Vous l'avez compris. Les gens disent comme ça. Mais on a la réponse à ça aussi. Mais là, j'ai ramené par te dire, tu as des gens comme ça, ils te disent pourquoi il m'a fait venir au bon monde après il va me mettre à l'enfer. J'aurais préféré ne pas exister. فَإِذَا قِيلَ إِنَّهُ مُخَيَّرْ فِي أَفْعَالِهِ الَّتِي تَقَعُ بِإِرَادَتِهِ وَاخْتِيَارِهِ قِيلَ وَأَفْعَالُهُ الْإِخْتِيَارِيَ كَذَلِكَ فقد يريد امرا ويعزم على فعله وهو قادر على ذلك فيفعله وقد لا يفعل. S'ils disent non, il est mukhayyar, il a le choix d'après ce que lui il veut comme action, etc. Même ça. On dit au Qadariya, vous dites non, le mukhayyar, il a le libre choix de faire ce qu'il veut dans les actions que lui il veut faire. De même, ça, parfois, ça marche. Combien de gens veulent faire quelque chose, ils font tout, mais à la fin, ils n'y arrivent pas. Je veux me marier. Eh bien, vas-y, te marier. Eh bien, ils ne se marient pas. Tout est cassé, tout est bloqué. Eh bien, mon chayar, je veux me marier. Eh bien, alors, fais-le, c'est une action. Non. Combien de gens veulent faire une action, à la fin, ils font tout, mais ça ne marche pas, ils n'y arrivent pas. Ils veulent voyager, ils ne partent pas au voyage. Je veux aller au voyage. Il ne passe pas. Il veut chercher du travail, trouver du travail. Il ne trouve pas de travail. Il veut avoir d'enfants. Il n'a pas d'enfants. Ça ne veut pas dire que toute personne veut faire une action qui est... ça va se passer. On voit bien qu'il n'a pas le choix. Enfin, quand on dit que non, il est mukhayyar, il a le choix dans ce qu'il veut faire simplement, dis-nous parfois, il veut faire quelque chose. Et parfois il arrive à le faire, et parfois il n'arrive pas.
Il a la capacité, il a l'argent, il a tout ce qu'il veut, mais il n'y arrive pas. فقد يعوقه ما يعوقه إذن فليس كل ما أراد فعله فعله وهذا شيء مشاهد. Alors une personne, ça ne veut pas dire que tout ce qu'il veut faire, il va le faire. Même s'il a la capacité, etc. C'est tout. ومن هنا يتبين لنا وجه الخطأ في هذا الجواب. On comprend à ce moment-là l'erreur dans ces deux, المرجئة والقدرية. فلو كان الإنسان مسيرا بإطلاق لما كان له قدرة ومشيئة. Si la personne elle est guidée dans tout, alors à ce moment-là, on ne va pas voir chez lui une certaine action que lui-même il choisit de faire ou ne pas faire. ولو كان مخيرا بإطلاق لفعل كل ما يشاء. Et si on dénonce et il a le choix de faire ce qu'il veut, alors il aura fait tout ce qu'il veut. Est-ce que les gens peuvent faire tout ce que tu veux? Non, tu ne peux pas. Même si tu as la capacité. Même si tu as la capacité, quelque chose peut venir dans ton chemin et arrêter ton action. Qu'il y a l'argent, que tu as la santé ou quoi que ce soit. فمن قال بالتسيير بإطلاق فهو ألصق بمذهب الجبرية. Alors, ceux qui disent que l'homme, il n'a pas le choix, il est dans le madhab de Al-Jibriya. Pas le Murji'a, afwan. Al-Jibriya, on parlait tantôt donc de Al-Jibriya. Pas le Murji'a. Alladhina qalu inna al-abd majbour ala fi'lihi. Al-Jibriya, il dit que la personne, il fait ce qu'Allah Azzawajal a voulu qu'il fasse. Il ne peut pas faire quelque chose qu'Allah Azzawajal n'a pas voulu qu'il fasse. C'est vrai, mais ce n'est pas dans cette compréhension. Et ils ont nié que cette personne peut avoir le choix de faire aussi ce qu'il veut. Et celui qui dit non, il a le choix, libre choix de faire ce qu'il veut, sans exception, il ressemble à Al-Qadariya. Ceux-là qu'ils ont nié. Al-Qadariya, An-Nufat, Ladina Kalu, Bi-Anna Al-Amr, Unufun, Wa-Anna Al-Abd, Huwa Al-Khaliq, Li-Fi'lihi. Al-Qadariya, il dit la personne, c'est lui qui crie ses actions. C'est lui qui crie cette action. Ça, c'est faux. Tout ce qui est comme création appartient à Allah, Azzawajal, même tes actions. On a déjà parlé. Wa-Anna Hu Mustaqil, Bi-Iradati Wal-Fi'l. فما الجواب إذن عن هذا السؤال؟ لا réponse sur ce question. وما المخرج من هذا الإشكال؟ الجواب أن الحق وسط بين القولين. La réponse juste est entre le Qadariya et le Jibriya. Le Jibriya, ils ont la moitié du chemin et le Qadariya, ils ont fait la moitié du chemin. Et la réponse exacte, c'est les deux. Le Jibriya, qui est la personne fait ce que Allah Azzawajal veut qu'il fasse, on dit oui, c'est vrai. Le Qadariya, ils disent que l'homme, il a son choix de choisir ce qu'il veut, on dit vous avez raison, et on les regroupe tous les deux. Dans certaines choses, il a le choix, dans certaines choses, il n'a pas le choix. Mais pas qu'il a le choix général ou il n'a pas le choix général. الجواب أن الحق وسط بين القولين وهدى بين هاتين الضلالتين فيقال وبالله التوفيق أن الإنسان مخير باعتبار ومسير باعتبار. L'homme, il a le choix dans certaines choses, peut choisir, mais il est guidé dans certaines choses, il n'a pas le choix. فهو مخير باعتبار أنه له مشيئة يختار بها وقدرة يفعل بها. On dit que lui il a le choix, le vouloir de faire ce qu'il veut, car Allah Azza wa Jal lui a donné cette capacité, il l'a créé en lui. Allah Azza wa Jal il dit فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.
Ça, c'est le Coran, Sourate Al-Kahf, 29. Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il dit ici? On dit Al-Jibriya. Naam, Al-Jibriya. Vous dites que l'homme, il n'a pas le choix. Allah Azza wa Jal, il dit Faman sha'a fal yu'min, wa man sha'a fal yakfur. Allah, il le dit, oh vous, celui qui veut croire, qui croit, celui qui veut mécrire, qui mécrire. Celui qui veut être musulman, qu'il soit musulman, celui qui veut être kafir, qu'il soit kafir. T'as un choix ou pas un choix? Allah Azza wa Jal le dit. Allah Azza wa Jal dit, faman sha'a, celui qui veut, fal yu'min, qui croit. Wa man sha'a, fal yakfur. Alors on voit bien qu'Allah Azza wa Jal te dit que t'as un choix. وقوله هديناه النجدين سورة البلد 10 الله عز وجل دي وهديناه النجدين qu'est-ce que ça veut dire وهديناه النجدين on lui a montré les deux chemins le chemin qui mène vers l'enfer et le chemin qui mène vers le paradis le chemin qui mène vers la satisfaction de Allah عز وجل et le chemin qui mène vers la colère de Allah عز وجل pourquoi t'as montré ces deux chemins alors On dit le Jibriya, pourquoi Allah Azzawajal, il dit, on lui a montré les deux chemins. Puisque c'est Allah Azzawajal qui va l'obliger à le faire. Pourquoi les deux chemins? Parce qu'il a un choix de choisir ce chemin ou ce chemin. Hadayna, on lui a montré les deux chemins. On lui a dit ce chemin mais vers le paradis, ce chemin vers l'enfer. Tu peux choisir. C'est-à-dire, il a le choix. وقوله فأتوا حرثكم أنا شئتم أنا شئتم avoir des rapports avec ton épouse comme tu veux t'as un choix aussi et là le choix وقوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم الله عز وجل dit وسارعوا dépêchez-vous de faire des bonnes actions c'est-à-dire c'est toi qui choisis de faire des bonnes actions. Et aussi la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. Sahih Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit ihris. Comment on dit ça ihris? Soit en garde ou alors fait. Ihris, c'est-à-dire quelqu'un qui fait tout son possible. Ihris fait tout son possible. Hein? D'acquérir ce qui te fait de bien, ce qui est bien pour toi, toutes les actions qui sont bien pour toi, fais-les et sois attentif à cette chose-là pour la faire. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Wasta'in billahi wa la ta'jaz. Ihris, al-hirs, c'est-à-dire d'être attentif, donc de faire son possible. D'acquérir ce qui te fait de bien. Ce tout chemin, tu vois que c'est un bien. Et là, quand on dit un bien, c'est quoi? Comment tu sais que c'est un bien ou pas un bien? Tu te sens bien. Hein? Tu te sens bien. Non, c'est pas ça. Là, légiféré comme... Le solar, il se sent bien, lui. Tu te poses la question, tu te dis la cocaïne, je me sens vraiment à l'aise, là. si tu laisses le choix à l'humain, il va faire des dégâts. Le Coran et la Sunna. Hein? Quoi? Le Coran et la Sunna. Voilà. Le bien, c'est Allah qui te dit ça c'est un bien ou ça c'est un mauvais. Khalas. Hein? Tu ne peux pas savoir si c'est un bien ou pas en dehors donc de l'Kitab ou Sunna. Ok? Alors, ihris ala ma yanfa'uka. Sois attentive de chercher, d'acquérir. Ce qu'il te fait de bien. Ce qu'il te fait de bien, tu vas le trouver où? En le kitab ou sunna? Et tu vas me dire, mais il n'y a pas quelque chose dans ce bas monde que j'aime bien les cerises, tiens. Je vais faire de bon aussi pour acquérir les cerises. Oui, tu peux les acquérir parce qu'elles sont halal. Parce que elles sont halal. Mais tu ne vas pas me dire, je vais faire tout pour moi aussi pour acquérir de la hashish. Non, ça là, il est haram. C'est pas un bien pour toi. Alors, ce qu'on dit un bien, on parle pas de ces plaisirs de ce bas monde. Yanfa'uka, il te fera de bien quand?
Après. Fais attention. Il y a le bien et le bien. Voilà, Tansana Siva Kaminat Dunya, n'oublie pas ta part de plaisir de ce bas monde. D'accord, une part. Mais où est-ce qu'elle est là? La vraie part. La vraie part. Celle qui n'en finit pas, celle qui ne s'arrête pas, c'est après. Yann Fa'uka. Et dans ce cas-là, Yann Fa'uka, c'est-à-dire après. Parce que là, tu es en passage. C'est comme tu es en voyage. Hein, tu cherches une station où il y a plus de lumière, où il y a plus de gens, où tu vas te reposer 5 minutes, 2 minutes ou une demi-heure, et après tu continues ton chemin. D'accord, pas de problème. Tu as choisi une bonne station où il y a de la nourriture, il y a de manger, pas un désert, il n'y a personne, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de toilette, il n'y a rien. Non, c'est bien, c'est un bon choix là pour être bien à l'aise. Ok? Mais après, tu vas rester là ou tu pars? Tu pars. Alors, Mayan Farouka, ce qu'il te fait de bien, mais attention, Wasta'in Billah. Pas de dire j'aime avoir cette chose-là et oublier Allah Azza wa Jal. J'ai de l'argent, j'ai de la santé, je vais acquérir cette chose-là. Attention, fais pas comme Jaha a fait. Vous connaissez l'histoire de Jaha? Non. Ben Jaha, il est parti pour acheter une vache. Il a besoin d'une vache ou un cheval. Et on l'a rencontré, les paysans sur la route, comme ça, au marché, ils partent. Où tu vas, Jaha? Il dit, je vais chercher une vache. Ah, il dit, vas-y, Inch'Allah. Il n'y a pas besoin de dire Inch'Allah. L'argent, ils sont dans la poche. Et la vache, elle est dans le marché. Ah, khalas. Vous de dire Inch'Allah. Ben, ça va. Mais il est parti. Il rentre au marché. Un voleur, paf, sur la poche, il a pris l'argent. Il a trouvé la vache et il fait la main à la poche. Il n'y a plus d'argent, ils sont partis. Il est revenu de marché. On leur a raconté son nom. Alors, Jaha, ça va? Ah, ils m'ont volé l'argent, Inch'Allah. Non, ça, Inch'Allah, c'est fini, ça. Ah bon. Ça, on l'a volé, ah bon. C'est certain, ça. Là, il dit maintenant, Inch'Allah. Inch'Allah, c'était avant. Bah, maintenant, t'avais l'argent, t'as la capacité, t'as la vache et le marché. D'accord, on est d'accord avec toi, mais ça se peut qu'il arrive quelque chose. Ah, ils m'ont volé l'argent, Inch'Allah. Non, c'est trop tard. Alors, ici, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, « Ihris ala ma yanfa'uk. » Fais tout ton possible donc d'acquérir ce qui te ferait de bien sur ce bas monde et au-delà. Mais ne compte pas sur ta capacité, argent, intelligence, ta science, ta force, etc. Wasta'in billah. Et demande l'aide de Allah Azza wa Jal dans cette action-là. Wala ta'jaz. Et là, c'est. Regarde ce hadith-là, c'est là. Ce hadith, c'est. Quand tu le prends, tu vas dire, tiens, les gens donc de l'Arab, ici en Europe, en Amérique, ils sont arrivés à des trucs là. Parce qu'ils disent, il n'y a pas quelque chose d'impossible. Tout est possible. Comment ils disent le terme là, français là? Rien n'est impossible. Non, impossible n'est pas français, ils ouais, disent quelque chose. C'est exagéré aussi, là. Hein? Impossible n'est pas français, mais... Il est anglais peut-être. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit voilà ta'jaz. Ne dis pas quelque chose. Oh, c'est difficile. Oh là là, où tu arrives toi? Ah, je vais encore maintenant à 60 ans acquérir une science, comprendre, aller m'asseoir, savoir lire, savoir écrire. Oh là là. La ta'jaz. Ne baisse pas les bras. Cherche. Va. Tu veux faire un commerce? L'attajaz. Cherche, bouge. Fais les activités qui t'amènent vers cette chose-là. Mais n'oublie pas le problème de demander à Allah Azzawajal qu'il t'aide. On a ramené ce hadith pour te dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit c'est-à-dire, tu as le choix d'acquérir ce qui te fera de bien. Kadalik khawluhu sallallahu alayhi wa sallam, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب قال في الثالثة لمن شاء الحديث في صحيح البخاري وبيك البروفة صلى الله عليه وسلم إنه دي كونا مفولوار آه يدي البروفة صلى الله عليه وسلم بريي avant المغرب c'est-à-dire دور ركعة السنة بريي دور ركعة السنة et à la fin il dit celui qui veut c'est-à-dire c'est pas obligatoire celui qui veut le faire avant t'avoir un choix. إلى غير ذلك من الأدلة في هذا المعنى يرحمك الله. Alors ici c'est quoi? Il est مخير. Il a le choix. Avec tous ces hadiths qu'on a ramenés et tous ces versets du Coran que la personne a le choix. D'accord?
Maintenant, Wamusayyar, mais il est aussi guidé qu'il n'a pas le choix dans certaines choses. Bi'atibar annahu fi jami' af'alihi dakhil fil qadar. Car toutes tes actions-là sont rentrées dans le qadar de Allah. Raji'un ilayhi likawnu ila yakhruj amma qaddarahu Allah lahu. Car tout ce que tu fais, c'est Allah Azza wa Jalla, il l'a déjà inscrit. Fala yakhruj fi takhyirihi an qudratillah. Car tout ce que tu vas faire comme choix, tu ne sortiras pas de ce qu'Allah Azza wa Jalla a inscrit. Tous tes choix sont déjà à l'intérieur du livre, ils sont déjà inscrits. هو الذي يسيركم في البر والبحر. Regarde ici un exemple. Sourate Yunus 22. هو الذي يسيركم في البر والبحر. Celui qui vous guide dans la mer et sur terre. Maintenant, tu prends le choix de prendre le bateau et d'aller dans la mer. C'est toi. Mais qui tient ce bateau-là sur la mer, qui ne le fait pas bouger, qui n'y a pas des grandes vagues, etc., qui maintient, qui n'y a pas du vent, etc. C'est quoi ça? C'est pas Qadar-là? C'est ton choix, d'accord. Mais là, tu me sais, Allah, il te dit attention. Sur la mer, là, tu es dans le bateau, c'est moi qui te tiens. Mais même sur terre, c'est Allah Azzawajal qui te tient. C'est-à-dire, ton choix, ne l'oublie pas, que tu es quand même مسير. الله عز وجل دي هو الذي يسيركم في البر والبحر. الله عز وجل دي dans une autre sourate وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. Encore des versets qui te disent الله عز وجل crée ce qu'il veut ويختار, il choisit ce qu'il veut. ما كان لهم الخيرة. Vous n'avez pas de choix. Vous n'avez pas le choix. Maintenant, c'est Allah Azza wa Jal, il dit ma kala rahum al-khayara. Vous n'avez pas le choix. Ben alors, vous avez dit qu'on a le choix. Liman sha'a, celui qui veut. Deux versets. Allah Azza wa Jal, il dit faman sha'a falyu'min. Et Allah Azza wa Jal, il dit ici vous n'avez pas le choix. Wa ma kana lahum al-khayara. Ils n'avaient pas à choisir. Vous n'avez pas à choisir. Et comprendre ici qu'il y a deux choix à ce moment-là. Subhanahu, ou Subhanallah ta'ala amma yushrikun, wa li qawlihi kataba Allahu maqadir al-khala'iq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ardi 50 alf sana, ou al-hadith fi sahih Muslim. Alors ces versets qu'Allah Azza wa Jal, tout il est déjà inscrit. Alors ton choix, etc., ce que tu vas faire, il est dans le qadar Allah Azza wa Jal. Musayyar. Tu vas aller dans le sens ce qu'Allah Azza wa Jal inscrit dans le livre. Tu ne vas pas sortir de là. Tout ce que tu vas faire comme action, tout ce que tu vas faire comme action, parole, etc., choix, il est à l'intérieur de ce qu'Allah Azza wa Jal a voulu que ça se passe. Et tu ne sortiras pas de ça. Tu n'as pas quelque chose à faire, quelque chose en dehors de ce qui est inscrit dans le livre. Il n'y en a pas. Tu ne peux pas. Alors là, tu es Musayyir. Musayyir, guidé à l'intérieur de quoi? De ce qu'Allah Azza wa Jal a voulu que ça se passe sur cet univers. ولهذا جمع الله بين هذين الأمرين. C'est pour ça Allah Azza wa Jal a regroupé entre ces deux sujets. T'as le choix, t'as pas le choix. كون الإنسان مخير باعتبار ومسير باعتبار. Allah Azza wa Jal a regroupé entre ces deux choses. Tu as le choix dans certaines choses et tu n'as pas le choix dans certaines choses. Comme fi qawlihi ta'ala liman sha'a minkum an yastaqim. Allah Azza wa Jal dit liman sha'a minkum an yastaqim. Celui qui veut prendre le chemin, droit chemin, qu'il le prend. Yastaqim. Allah il le dit bien. Liman sha'a minkum an yastaqim. Donc avant, in huwa illa dhikrun lil alamin. Ce livre sur le Coran, c'est dhikrun lil alamin. Liman sha'an yastaqim. Ce dhikr-là, il est pour ces gens qui veulent le suivre et prendre le chemin droit. Mais après, Allah Azza wa Jal dit وَمَا تَشَاءُنَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِ. Allah Azza wa Jal dit
إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. Vous avez le choix donc prendre le guidé ou pas. De prendre le Coran comme guidance, oui ou non. Vous avez le choix. Les mensha, celui qui veut aller dans le bon chemin. Mais attention. وَمَا تَشَاءُنَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Et n'oublie pas, votre choix, il est après le choix de Allah Azza wa Jal. Pas avant. Si Allah Azza wa Jal, il veut que ce choix que tu fais, il ne te le donne pas, il ne te le donnerait pas. Impossible. Maintenant, si tu prends rien que ce verset-là. In huwa illa dhikrun lil alamin. Le livre, c'est un rappel pour les gens. Liman sha'a minkum an yastaqim. Tu as le choix ici de prendre le bon chemin ou alors ne pas le prendre. C'est un choix de qui? C'est à toi. Wama tasha'una illa an yasha'a Allahu rabbul alamin. Mais votre choix. Maintenant, si toi tu prends le bon choix, le bon chemin, c'est ton choix. Comment tu as fait? Trouver le bon chemin. J'étais guidé dans les deux voies. Oui, mais comment tu as fait pour trouver le bon chemin? C'est toi qui l'as cherché? Soit... Non. Allah te l'a envoyé. Comment tu vas trouver la certification de Allah Azza wa Jal? Comment tu veux trouver le chemin vers le paradis si Allah Azza wa Jal te l'a pas envoyé, te l'a montré? Voilà le chemin qui mène alors. Alors si tu prends le chemin vers le paradis, ne dis pas grâce à moi. Grâce à Allah avant qu'il m'a montré, attention que ce chemin mène vers l'enfer. Attention, voilà le chemin. Si, alors moi j'ai choisi le choix. Allah il te dit voilà, ce chemin vient vers l'enfer. Celui-là vers le paradis. T'as pris sur le paradis. Grâce à qui que tu arrives au paradis? Grâce à toi, d'accord? Mais grâce à quoi encore? Allah. Ouais, ben oui. T'as fait un choix, d'accord, de prendre le chemin de l'iman, pas le chemin de l'kofre. Mais qui t'a montré les deux chemins, que ça c'est de l'kofre et ça c'est de l'iman? C'est Allah. Ben alors tu y arriverais grâce à qui? À la volonté d'Allah, Azzawajal. Allah, il a voulu que tu y arrives au paradis. C'est pour ça qu'il te l'a montré le chemin. S'il n'aurait pas voulu que tu arrives au paradis, ben, il ne t'aurait pas montré le chemin du paradis et tu ne le trouverais jamais. In huwa illa dhikrun lil alamin, liman sha'a minkum man yastaqim. Tu veux prendre le chemin de la mécréance, de le kofre? Non, Allah, je prends le chemin de... Ah, c'est bien. Tu as bien choisi. Et tu es arrivé au paradis. C'est bien ton choix-là. Mais ton choix-là, il est basé sur qui? Sur le choix de Allah Azza wa Jal qui va te montrer le chemin. Il a choisi de te montrer le chemin. Il ne t'a pas laissé comme ça, il t'a dit, cherche, trouve. لمن شاء أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فأثبت عز وجل أن للعبد مشيئة. Dans ce verset-là, Allah عز وجل a confirmé, a concrété comme quoi t'as un choix. لمن شاء منكم أن يستقيم. Celui qui veut l'istiqam. Ça veut dire Allah, il te dit que t'as un choix. Mais après, Allah عز وجل il te dit وما تشاءون إلا أن يشاء الله عز وجل. Mais il te dit attention, ton vouloir, il est suivi, il suit la volonté de Allah, le mashi'a de Allah. Il n'est pas tout seul. Alors, je vais essayer donc de passer certains hadiths qu'on a déjà parlé. هذا مقتضى أدلة الشرع والواقع في هذه المسألة. فلعل في هذا التقرير إجابة شافية وجمعا بين النصوص في هذه المسألة. Maintenant on a regroupé entre les deux avis de l'Jibriya ou l'Qadariya. D'accord? Alors on a un point ici, تصحيح صيغة السؤال. Donc la question ici de dire est-ce que la personne est le musayyar ou le mukhayyar? La vraie question, comme il dit ici, « وَمِمَّا يُسْتَحْسَنْ فِي هَذَا الْأَمْرِ أَنْ يُصَحَّحَ السُّؤَالِ فَبَدَلًا أَنْ يُقَالْ هَلِ الْإِنسَانِ مُسَيِّرْ أَوْ مُخَيَّرْ كَانَ الْأَوْلَى أَنْ يُقَالْ هَلْ لِلْإِنسَانِ مَشِئَ وَقُدْرَ أَوْلَى. À place de dire « Est-ce que l'insan musayyar ou mukhayyar ?» Est-ce qu'il est guidé ou il a le choix de dire « Est-ce que l'homme, il a un choix ?» La question, celle-là, il est mieux. Musayyar, mukhayyar, ça,
Est-ce que l'homme, il a un choix? والجواب كما تقدم وتلخصه أن يقال أن الإنسان مشيئة يختار بها. Alors la réponse que l'homme il a un choix, il a une mashi'a, il a un vouloir, une capacité de choisir ce qu'il veut. وقدرة يفعل بها. Et Allah il lui a donné la capacité pour faire cette action. وقدرته ومشيئته تابعتان لمشيئة الله واقعتان بها. Mais ton vouloir et tes actions suivent d'après la volonté de Allah Azza wa Jal. S'il veut laisser passer cette action, il la laisse. S'il ne veut pas que ton action passe, il ne passe pas. ومن هنا يتبين خطأ بعض من يكتبون عن القدر وذلك حينما يصدرون on a vu beaucoup de livres sur le qadar, mais tout après, c'est d'après l'Hawa, ils ne sont pas basés sur le kitab ou le sunnah. مسألة الهداية والضلال. Alors voilà encore un autre point. Mais peut-être on va le laisser. Ouais, c'est un long point. Alors, ici c'est Mas'alat al-Hidayah wa al-Dalalah. La question que Allah Azza wa Jal dit guide qui veut et égare qui veut. Alors, celui qui est égaré, il est égaré par qui? Par Allah. Allah, il le dit. Celui qui est guidé par Allah. L'égarement et la guidance est dans le vouloir d'Allah Azza wa Jal. Mas'alat al-hidayah wa al-dalala mas'ala azima. Ce point-là donc, de comprendre, en entendant qu'Allah Azza wa Jal guide qui veut et l'égare qui veut. وقد مرت إشارة إليها فيما مضى بمحث كنا في ديجا بارلي ان بو دون لي دروس باسي وإنما أفردت هنا لأهميتها ولكونها تتردد كثيرا في الأذان on va en parler un peu parce qu'on a déjà parlé aussi je pense de ça de cette l'idée إذا شاء الله من الإنسان المعصية ولم يشأ منه الطاعة si Allah عز وجل veut de toi que tu fasses un péché et qu'il veut pas de toi une obéissance Allah, il est capable de ça. فَلِمَا يُحَاسِبُ عَلَى مَا يَشَاءَ مِنْهُ وَلِمَا لَمْ يَشَاءَ مِنْهُ الطَّعَ كَمَا شَاءَهُ مِنْ غَيْرِهِ Allah, il a accepté l'obéissance de celui-là, mais il ne l'a pas accepté de celui-là. Les deux, hein. Il y en a deux, ils veulent obéir. Il y en a celui-là, il veut prier, celui-là, il veut prier. Mais Allah, Azza wa Jalla, il a accepté de celui-là qu'il prie, mais il n'a pas accepté de celui-là qu'il ne prie pas. Celui-là, il veut devenir musulman, et celui-là, il veut devenir musulman. Allah, il accepte que celui-là devienne musulman, il n'a pas accepté que celui-là devienne musulman. Et pourtant, il lui dit, je veux devenir musulman. Mais il reste quand même mécréant. Et à l'autre, il dit, je veux devenir musulman, il devient musulman. Et combien des gens te disent, l'islam, mashallah, c'est la vraie religion, c'est la bonne religion, les mécréants. Il le dit. Mais il ne croit pas. Et il n'est pas musulman. Regardez des litos, vous allez le trouver, hein. Il te dit, il parle mieux que moi. Dans le dogme, il parle mieux que moi. Il te donne les arguments que le Coran, la parole de Allah, que Mohammed ne l'a pas inscrit, c'est un livre de sa main. Il vient un juif ou un chrétien, il te dit qu'à la fin de cette religion, la fin de ce bon monde, la religion qui va être surtout, c'est la religion musulmane. Pourquoi? Avec des arguments adillates, etc., etc., etc. Et que Mohammed, c'est un dalil, que ce n'est pas un homme naturel, c'est un prophète, etc., etc. Et tu crois? Non, il ne croit pas. Et quand on lui pose la question, pourquoi tu dis, je veux devenir musulman, il veut devenir musulman. Il ne le deviendra pas. Jamais. إن شاء الله من الإنسان المعصي ولم يشأ منه الطاعة فلم يحاسب فلما يحاسب والجواب أن يقال أن الهداية والضلال والطاعة والمعصية بمشيئة الله الهداية والضلال la guidance, l'égarement et l'obéissance et désobéir ou faire des péchés c'est dans le vouloir d'Allah والإنسان سبب في وقوعه mais l'homme il est la cause dans cette action qui est le sabab dans cette action-là. Je vais arrêter ici, parce que sur ce point-là, il nous prendrait plus d'amplitude pour ne pas mélanger les deux choses.
Essayez donc de laisser se passer celle-là, ce que vous avez entendu aujourd'hui. Et on passera, Inch'Allah, jeudi prochain, pas ce jeudi, l'autre jeudi, bien là. Donc, ce point ici de l'Hidayah, de Allah Azzawajal, et les garments de Allah Azzawajal.